Hello, hello, bonjour à tous. On est le 12 mai, vendredi 12 mai 2023, et on va essayer de continuer sur l'implémentation des SSH par Erlang OTP, enfin pour l'utilisation dans le cadre d'Erlang OTP. La semaine dernière, on va faire un petit récap avant de commencer. Avant ça, est-ce qu'il y a des news à voir? Je ne crois pas. J'étais faire un tour tout à l'heure. Il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Beaucoup de choses au niveau d'Elixir, hein. Je vois pas grand chose au niveau d'Erlang de très intéressant. Je pense qu'on parlera peut-être un de ces quatre plus de Elixir qu'Erlang quand j'aurai le temps. Mais en tout cas, on va continuer sur SSH. Je vérifie juste 2 petites secondes que le son fonctionne. Ça a l'air d'être le cas. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de problèmes. Donc, on va peut-être pouvoir commencer. Donc, en fait, la semaine dernière, on avait fait un petit tour au niveau des spécifications, etc. Je pense qu'on va continuer un petit peu. Sachant que pour ceux qui se posent la question, si je fais ces épisodes sur comment ça s'appelle, sur SSH, c'est parce qu'en même temps, parallèle, ça me permet de gagner du temps sur l'écriture d'un article. Et ça me semble intéressant de travailler et voir ensemble comment le process de recherche et d'écriture de l'article, et voire même au niveau des tests, etc., ça fonctionne. Pour information, j'avais déjà utilisé ça dans le passé, avec Erlang, mais pas pour faire du client, simplement pour faire un outil de serveur et de forwarding de connexion SSH. J'ai jamais été plus loin que ça, et c'est la première fois que je vois par exemple l'utilisation du client ou la gestion des clés. Parce que généralement, en fait, les besoins pour la génération des clés, elle était différente au niveau du projet que j'avais fait. Donc je vais faire un petit récap vite fait. Donc la semaine dernière, j'avais réussi à faire un petit résumé de tout ça. Donc déjà, on avait travaillé sur tout ce qui était fonctionnalité pour encoder et décoder. Donc, je vais faire un petit tour là-dessus. Donc ça, c'est dans Reference Manual. Vous avez l'application ici. Et on avait aussi, je suis bête, j'avais oublié, on avait compilé OpenSSH from scratch, donc on avait récupéré les sources depuis GitHub. Si je me souviens bien, c'était github.com slash OpenSSH. Normalement, où il y avait OpenSSH portable. On avait récupéré ce code, on l'avait compilé, ça fonctionnait. Il faut savoir que je l'ai toujours ici qui démarre, donc ça, c'est des tests que j'ai fait les derniers jours. Donc c'est pas mal d'ailleurs, faut pas que j'oublie de faire un truc parce que je risque de montrer ma clé privée et ça me plaît pas trop. Va falloir que je sécurise un peu tout ça. Donc je vais régler tout ça après. Mais normalement ça avait été généré juste pour cette machine virtuelle. Faut que je vérifie quand même au cas où, ce serait un peu bête. Bon, l'avantage c'est que normalement je pense pas que ce soit tout affiché, il manquera un petit bout. Bref, passons. Donc on avait téléchargé OpenSSH portable, on l'avait compilé, configuré, etc. On ne l'avait pas installé, on l'avait laissé simplement les exécutables compilés dans le répertoire de build. Et on était en train de s'amuser justement avec les différentes fonctions, les connexions, les étapes de connexion, etc. Et l'une des premières étapes qu'on utilise SSH, c'est la gestion des clés, qui est normalement effectué au moyen de SSH KeyGen, qui permet globalement, enfin cet outil permet globalement de faire la génération des clés, de les manager, changer les mots de passe dessus, rajouter par exemple des hostnames qui sont autorisés ou non à être connectés, etc. Donc cet outil-là aussi, il est partiellement supporté du côté Erlang. Ça va faire partie des choses que je suis en train de rajouter dans l'article, c'est de l'article en fait, faire une sorte d'état des lieux sur SSH, parce que je pensais qu'il y avait un support un peu plus large que simplement la gestion du serveur et du client. Il s'avère que c'est pas vraiment le cas. Donc il y a pas mal de choses à faire dans SSH et j'étais en train de réfléchir les derniers jours justement à peut-être faire un patch. J'irai pas jusqu'à faire un fork du SSH, mais en tout cas faire un gros patch pour ajouter 2-3 features qui me semblaient assez intéressantes. Donc la semaine dernière, on s'était plutôt bloqué sur ce fichier,
sur ce module SSH Undercore File qui permet de gérer tout ce qui est encoding, décoding, etc., des clés. On avait fait une petite passe rapide, si je me souviens bien, sur tout ce qui était décode et encode. Et je crois qu'on avait peut-être dû voir un petit peu la génération de clés privées et publiques avec public key module. Alors, ça doit être celui-là, comme ça. Public key. Et on avait regardé, c'était generate key, qui permettent de générer les clés privées, les clés publiques, de les récupérer, et ensuite via 2-3, comment on pourrait dire, hacks, récupérer en fait ça, la clé publique, et l'encoder ensuite. Alors, c'est quoi? C'est plutôt hier ou avant-hier? Je sais plus, la semaine dernière, je sais plus exactement quand, non, ça devait être début de la semaine. J'ai commencé à lire un peu le code source d'SSH, qui était fait par justement Erlang. J'avais pas vraiment fait ça. Et les premières fois en tout cas. Et je me suis rendu compte que toute la partie clé privée, d'un point de vue encodage, n'était pas supportée. Donc c'est ce que je parlais au niveau des patchs. Alors c'est en tant que tel, c'est pas dérangeant, parce que la fonctionnalité en fait d'Erlang en tant que tel, au niveau du module, c'est de réutiliser ce qu'il y a, les informations qu'il y a déjà au niveau du système. Donc si vous démarrez un daemon SSH par défaut avec Erlang, il va lire les fichiers présents dans le système dir et le user dir. Et ces deux variables-là en question sont assez importantes dans le sens où en fait par défaut, enfin elles sont pas configurées par défaut, mais en fait c'est dans le home de votre utilisateur, il y a un répertoire qui s'appelle .ssh et le .ssh en question, alors ce répertoire-là contient toutes vos données, par exemple clés privées, clés publiques, etc., que vous utilisez par défaut. Et l'autre système dir qui peut être utilisé aussi par défaut, c'est le système dir qui est utilisé au niveau du pass système d'SSH, qui est donc etc SSH, slash etc slash SSH. Et moi, ça ne me convient pas pour plein de raisons. Donc ça veut dire qu'il va falloir potentiellement qu'on fasse la gestion en fait en gros des clés, pour pouvoir en fait utiliser un autre système pour stocker les clés qu'on veut utiliser. Parce que je ne veux pas réutiliser sur le service que je vais mettre en place après dans l'application cache, donc l'application de test que je fais dans les articles, la possibilité de récupérer des informations liées au host directement. Pour moi, ça doit être un service totalement alternatif qui doit pouvoir être utilisé indépendamment du daemon SSH qui tourne normalement sur le serveur. Donc ça implique pas mal de modifications. Ça implique qu'il va falloir qu'on joue un petit peu avec SSH Server qui API par exemple. Je ne l'ai jamais utilisé, donc on va voir ce que ça va donner. Et bah, je propose qu'on commence un petit peu. Alors j'avais fait un projet un peu bidon à la base, qui s'appelle S, qui est juste un projet de test. Et on va commencer par créer justement ce système de serveur key. S serveur API.erl. Hop, allez, c'est parti, on va coder un peu. Alors, dans un premier temps, je vais faire un truc un peu dégueulasse. C'est compile. On va exporter par défaut toutes les fonctions pour aller plus vite au niveau du développement. J'ai pas envie de m'embêter avec toutes les histoires de spec et compagnie, c'est juste du test. Le behavior en question, il est là, pareil, on va faire un copier-coller, ça va aller plus vite. Et après, on va pouvoir commencer à faire les callbacks. Donc, le premier callback, c'est hostKey. Il va récupérer un algorithme et daemon option. Ok. Alors, l'algorithme en question. A priori, il va récupérer une liste d'algorithmes public key, donc c'est cela. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en matcher un par un. Je vais juste les définir ici, par exemple, dans un premier temps. Donc le premier, on va prendre celui-là. Tac. Et on va mettre daemon option ici. Et on va faire après notre petit callback qui nous convient. Alors, il n'est pas content parce que ici il manquait ça.
Ouais, mais juste un point virgule. Alors je crois qu'il retourne, c'est OK private key. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est juste mettre. On va importer un truc déjà, parce que le private key, c'est quel format? OK. Donc on va faire un include lib. Public key. Include public key.hrl. C'est ce qui va contenir toutes les structures de données au niveau des clés privées, publiques, etc. Donc private key, on va faire juste ça dans un premier temps, c'est juste pour simplifier la vie. Et on fera en fait du debug au fur et à mesure. Host key, pareil, on va prendre celui-là. Et voir même ce qu'on peut faire, parce que la dernière fois, c'est vrai que j'avais parlé du define. Ça peut être intéressant de faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être faire une petite macro pour gérer tout ça. Hop, on va l'appeler algorithm. Et nous, ce qu'on veut, c'est host key algorithm daemon option. Hop, pour aller plus vite. On va même pas laisser. On va faire ça comme ça. Et normalement, on est pas mal. Hop. Ce qui fait que maintenant, on peut faire un truc comme ça. C'est juste pour gagner quelques lignes de code. Mais après, potentiellement, ça pourrait être utile pour d'autres trucs. On verra ça après. C'est histoire de gagner un peu de temps. Parce que je suis pas sûr qu'aujourd'hui, j'aurai le temps de tout vous montrer. Pareil pour la private key, il va falloir que je gère ça aussi après, on verra ça plus tard. Moi ce que je veux au moins c'est SSA, RSA je veux dire. Je suis bête parce que là j'utilise template pour RSA Private Key. C'est pas RSA Private Key, il me faut aussi un autre truc qui s'appelle. Alors, public key, hop. EC. Faut que je vois ça après. Mais en fait, pour ECDSA, etc., il va me falloir autre chose. Bref, c'est pas grave, on a ça. Et moi, ce que je veux, c'est rajouter aussi un petit coup de logging. Non, même pas, on n'a pas besoin, c'est pour du test. On va faire juste format. Hop. Et on va imprimer ce qui est reçu. Hop. Enfin ça après en fait. Pareil, je vais commenter tout ça. On le réutilisera plus tard. Voilà. Puis même ça aussi, on va le commenter. Donc là, normalement, je suis dans le bon répertoire dans mes souvenirs. Ok. Là, a priori. Ça a l'air de fonctionner. Il manque une fonction callback, une fonction de rappel, hotkey. Et là, pour le coup, on a besoin de la clé publique de l'utilisateur et daemon option. Et le résultat, ça va être quoi le résultat? Ok, c'est quoi le résultat? Boolean, true, false. Va faire ça comme ça par défaut. On va voir ce qui va se passer. Donc, on va redémarrer un démon. Alors, je sais pas s'il est démarré, mais je pense pas. Celui-là, on va le quitter. Celui-là, pareil, on va quitter ça. Je vais juste le démarrer comme ça. Celui-là, je vais le redémarrer.
Rebar 3. Non. On va démarrer SSH et on va démarrer un démon. Donc, le démon, il va me retourner un PID. Et on va faire daemon. Pareil, il va me falloir un peu de doc. C'est la fin de la semaine, ça doit être open bar. On est un peu fatigué. On va écouter sur le port 2000, enfin 22222. Et les options, on va les faire de la faire de la façon suivante. Je vais peut-être même créer un autre module pour simplifier la vie. On va l'appeler s.erl, histoire de ne pas recoder la roue un million de fois. Compile export all. Et là, on va faire juste un petit start. Et le start qu'il va faire, c'est qu'il va me faire SSH daemon 2222. Pareil, il faudrait que je stocke quelque part ça. Bon, on verra après. Et il me faut les options. Donc les options, ça va être les suivantes. Le système dir. Alors je crois qu'on en avait créé un justement dans ici. Donc, je pense qu'on peut le réutiliser. Ou on peut le créer en local, c'est comme vous voulez. Donc système dir. Ça va nous éviter. Quoique je suis même pas sûr qu'on en ait besoin parce que quand on utilise cette fonction-là, normalement. On a, dans mes souvenirs, si j'ai lu correctement la doc, on n'a plus besoin de système dir. Pour l'instant, je ne vais pas le mettre et on va juste utiliser keep private. Le callback qui se trouve où? J'ai besoin des options du démon. On va aller voir daemon option, on a subsystem daemon option, shell, etc. Et dans mes souvenirs, c'est avec celui-là. Donc les options, ça va être ça. Et après, il dit, en fait, en gros, il attend un module. Et avec potentiellement une liste d'arguments. Donc pour l'instant, on s'en fout un peu. On va juste mettre le module qu'on a créé à l'instant, qui s'appelle sServerKeyAPI. Hop. Et là, on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc là, on a option. OK. Donc je recompile. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire start. Et on va voir ce que ça va donner. Donc là, il y a un bad arg. Je pense que le bad arg, il est lié simplement à un truc tout con. C'est qu'en fait, il nous faut le système dir avec justement les hostkeys. Ça, pareil, ça fait partie des choses que j'aime pas du tout. Il va falloir que je travaille là-dessus, puisque ça me plaît pas comment c'est fait. Donc le système dir, on va utiliser non pas celui de mon host, mais on va utiliser celui qu'on a généré préalablement, où on va recréer un from scratch, avec les fonctions qu'on a déjà vues de toute façon, au pire. Donc tmp, s, puis on va créer un truc qui va s'appeler etc. AF ETC. Ah bon. Ah ouais, parce qu'à chaque fois, il recrée un truc genre... Oh, ça c'est relou. Voilà, donc là maintenant, on a toutes nos clés qui sont disponibles ici au niveau du host. Ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer le pass où c'est démarré.
puis on va mettre etc ssh. On va recompiler et puis on va voir ce que ça va donner. Donc il y a toujours un bad arc, c'est parce qu'à mon avis maintenant il va demander l'user dir. Et pour le coup, on va pas non plus prendre la tête. On va créer un truc qui va s'appeler, je sais pas comment on va l'appeler. On va l'appeler userdir. Et dans le userdir, on va faire ssh keygen-f idrsa. On va pas mettre de mot de passe pour l'instant parce qu'on s'en fout. Donc pareil, mon home et on va mettre userdir. On recompile et on reteste. Et on a un badargue. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? On va aller voir juste un petit tour au niveau de la doc. Parce que je sais running an Erlang daemon. Systemdir, userdir. Donc ça c'est bon. Normalement ça devrait être OK. À moins que j'ai fait une erreur au niveau du pass. Non. On va juste supprimer ça comme ça, voir ce que ça donne. Donc on a toujours un badargue. Pourquoi? Ah, ok. Ok, donc là il n'est pas content parce qu'il me dit qu'en gros le système dir il le trouve pas. Alors peut-être que c'est moi qui ai fait de la. De la merde. TC, SSH, SSH host. Alors, OTP. S, user dir, système dir. Ok. Donc là, il va bien récupérer les trucs. Parce qu'à mon avis, il va d'abord checker au niveau de ça. Et donc là, normalement. Ah bah oui, je suis bête, le module. C'est en fait, c'est exactement ça. Donc là, il va récupérer les clés. Nous, ce qu'on veut, c'est on veut pas justement qu'il aille les récupérer, mais on va peut-être en récupérer quand même quelques-uns. On va récupérer celui-là, ici. Et ce qu'on va faire, c'est que. On va stocker en fait une clé qu'on a générée nous-mêmes. Alors quoi que j'hésite à faire ça. D'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer la clé, on va la lire nous-mêmes. On va appeler une fonction fetch. Fetch key, fetch host key. Hop. Et dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un OK content égale file. File et le pass qu'on a mis juste ici là on va le récupérer hop et on va mettre ssh host rsa underscore key donc ça va être notre fichier rsa maintenant il faut qu'on le décode ssh file 2.decode alors pareil le décode on va le récupérer là. Et alors, il était où? Je crois que je l'ai ouvert tout à l'heure, dans mes souvenirs. Non, bah, c'est pas grave, on va le réouvrir. Donc là, on a le type. Et le type, normalement, ça va être, je crois, RFC 4716 par défaut. Donc on va faire content. Hop. Et normalement, ce qui va nous retourner, la clé. Enfin, le truc qui va bien en fait, en gros, la clé privée quoi. Là, il y a une erreur. Pourquoi? Behavior SSH key API variable public user key. Key slash 2. Quoi? Ah oui, mince, parce que le macro, il est. J'ai supprimé le macro de tout à l'heure. Hop, donc là, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester directement notre fetch file, blablabla. Fetch file, j'ai hotkey. Donc là, on a bien
note RSA PrivKey avec les integers, etc. qui vont bien. Et normalement, on est pas mal. Normalement, on est pas mal. Ok, donc le problème c'est que on a les deux, on a la clé publique et la clé privée. Donc il va falloir qu'on découpe ça quand même un petit peu. Parce qu'en fait il y a les commentaires qui sont inclus dedans aussi. Donc ça on s'en fout un peu. Donc on veut la private key. Le commentaire on s'en fout. Et ce qu'on veut après c'est la public key. Là, on doit être pas mal. Et ce qu'on va retourner, ça va être, je sais pas, on va retourner un tuple private key. Par exemple. Ah, pourquoi il est pas content? Pif, ah oui, forcément. Ok, là on est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire ça. On a bien nos deux valeurs. Donc si on fait un RR, enfin, on charge les headers. Normalement, on devrait avoir bien nos RSA public key, etc. Donc ça c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le code qui est ici. Et donc on va le mettre là. Donc on va faire private key. Fetch host key. Et on va private key et là on est pas mal je pense. Et on pourra essayer de se reconnecter après avec. Je vérifie quand même. Et à mon avis, il va falloir qu'on fasse la même après pour une autre partie. Bref, on va tester. Donc là, on va tester de le redémarrer. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est peut-être pas une très bonne idée de faire ça. On va faire un truc comme ça. Ah, normalement, on devrait être pas mal. Donc, notre clé privée, maintenant, elle est récupérée directement via notre module de callback. Donc, il en manque quelques-unes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les gérer après. Mais là, a priori, le démon est géré. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on essaie de se connecter avec comment s'appelle, notre client SSH? Donc là, il me dit forcément que la clé a changé. Je suis connecté directement. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte?
Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Donc là, ce qu'il fait, c'est que quand je me suis connecté, il a essayé. Ouf! Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va essayer de revoir ça en détail. Et on va faire un autre truc ici. Ici, on a le trou qui est là. On va faire un. Pareil, un yo format. Et on va mettre les public key. Je sais pas s'il n'y a pas autre chose que le OK à rajouter. Error, reason. Regardons ce que ça fait si on fait ça comme ça. Donc, évidemment, j'ai démarré et j'ai oublié de récupérer le PID. Sinon, c'est pas drôle. Je suppose que c'est le 157. 517, je veux dire. Je sais même plus lire. Non, j'ai pas l'impression. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. Normalement, le start, tu dois me retourner les bonnes valeurs. Alors, ce qu'on va tester, on va faire un truc. Application 2.stop SSH. Ok. Une bonne solution pour tout casser. Ok. Donc là, ça va être mieux. Donc, on va retester. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on partage la clé publique. Donc ça, c'est ma clé normalement. C'est laquelle? Ok. Donc en fait, il me retourne true normalement. Parce que c'est tout le temps accepté. Si j'avais mis en fait false, à mon avis, j'aurais été refusé. À la place de true, on va mettre false. Et on va tester. Hop, stop SSH. Voilà, on reteste. Et ça ne marche pas parce que j'ai pas recompilé. Là. On va faire un petit stop. Hop, start. Ce qu'on peut même faire, c'est éviter de se prendre la tête et faire un application de prendre sur all started. Et on va mettre SSH. Ça a l'air de fonctionner. Ok. Donc, comment ça fonctionne? Quand le client ou même le serveur va démarrer, enfin, du moins quand le serveur va démarrer, il va utiliser en fait par défaut, enfin c'est par défaut, si on le configure, le module de callback SSH serveur key API, qui utilise normalement ce behavior-là, SSH underscore serveur key API, API. Et basé sur ça, il va en fait on va fetcher les différentes informations nous-mêmes ou on va crafter directement la clé privée qu'on va la partager ensuite avec le serveur. Le serveur va stocker tout ça probablement en mémoire. Et ensuite, quand un client va se connecter, le client va arriver et va, s'il utilise une clé, il va matcher en fait la clé qui est présente ici,
avec potentiellement le nom de l'utilisateur, parce que comme on le voit ici, on a bien la clé publique, le nom de l'utilisateur, et après on a les différentes informations directement dans les options de Daemon Option. Donc où se trouve, enfin quelle méthode on utilise pour récupérer par exemple les clés. Alors le key CB private, à quoi ça sert? On va voir ça tout de suite. Hop. SSH client key API. Ok, donc ça doit être pour la gestion des clés privées aussi. C'est pour gérer en fait directement au niveau du client la gestion des clés qui sont proposées par le client normalement. Donc si on se connecte dessus avec un client, ça va nous valider en fait comment s'appelle, si le host il est OK ou non, etc. Donc c'est vraiment pour créer un client from scratch. On va le créer, on va s'amuser à faire ça après. Donc là déjà, on a un truc qui fonctionne, c'est-à-dire que même si on n'a pas toutes les clés, etc. et tout, on a pas mal d'informations quand même qui va nous permettre d'avancer pour les autres parties. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Et moi ce que je voulais faire, c'est créer un. Vous montrer en fait comment on fait pour créer après un shell un peu custom. Et donc pour ça, on a un autre. C'est Server Channel qui va permettre de créer directement la connexion basée sur les données qu'on veut récupérer ou non. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste remettre à true. Hop. Je vais rajouter un autre truc aussi. Ici, je vais mettre stop pour aller plus vite. Et je vais faire un restart. Là, ça doit être bon. Et là, on est bon. Ok. Alors, maintenant, on va créer un autre module et il va s'appeler. Il va s'appeler S Server Channel. Deux petites secondes, je vérifie juste un truc de mon côté. C'est parti, on va faire S serveur channel Erl, on va l'appeler module. Ça va être mis automatiquement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le callback qui s'appelle SSH server channel. Et on va faire un compile export all parce que c'est du test. Alors, comment que ça fonctionne? Donc là, si on le voit, la première étape de connexion, c'est l'authentification, ou du moins la validation des clés. La deuxième étape, après, ça va être la négociation directement au niveau des différents algorithmes, etc., ou des différentes sessions qu'on veut faire, ou des sous-systèmes, ou des shells qu'on veut appeler. Donc pour faire ça, ah oui, on a deux méthodes. C'est vrai qu'on aurait pu aussi utiliser celui-là. C'est un peu différent. Celui-là, en fait, il permet de créer un shell directement from scratch. Mais je pense je vous montrerai la différence qu'il y a entre les deux. Après. Que je dise pas de bêtises. Hein. Normalement, c'est ça. Normalement, quand on l'utilise, ça nous donne accès quand même à un truc un peu plus haut niveau que SSH Server Channel. Bref, c'est pas grave. On va commencer avec celui-là déjà. Et je vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc déjà, on va avoir un init dans mes souvenirs. Va y avoir un nombre d'arguments. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste OK avec pas de stats. Dans un point, pas de state, enfin pas d'état pour le moment. Handle MSG, on va mettre le MSG state et normalement on va retourner, ça va être OK state.
crois que c'est ça ou c'est l'inverse. C'est ça, je vais messager, c'est bon. State. Ok. Donc là, normalement, on a déjà un truc qui ressemble à quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser le IO format qu'on avait juste avant. Hop, on va le mettre ici. Pareil, on va le mettre là. On va mettre juste le nom de la fonction en prime et les arguments qui sont passés. Pareil pour ici. Et on va le faire pareil ici. Et là, on n'est pas trop mal. Et notre S qui est là, le module de test, on va rajouter le callback. Normalement, c'est écrit juste au-dessus. Je ne sais plus où ils le mettent. Non, ils le mettent pas. C'est au niveau de la doc directement. Qui doit se trouver ici. Et on fait. Évidemment, c'est pas le bon. Donc là, ça va être pour les subsystèmes. Le nom, on va l'appeler test. Et normalement, c'est un module argument. Donc le module argument, ça va être S underscore server channel. Et il n'y a pas d'argument. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le redémarrer. Là, il est pas content. Pourquoi il est pas content d'ailleurs? C'est bizarre. Ah oui. Et là, il est pas content parce que normalement ça doit faire un truc comme ça. Il y a un truc que j'oublie quelque part. Alors, subsystème, et évidemment, c'est une liste parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Hop, comme ça. Donc là, ça fonctionne. Ce qui fait que normalement, si je me connecte avec simplement SSH et que je définis un subsystème test, c'est petit s. Voilà. Donc là. Alors, un sous-système, c'est quoi? Généralement, quand vous utilisez SFTP, c'est vrai que j'ai oublié de le définir, mais quand vous utilisez SSH, déjà avant de commencer avec SFTP, vous avez un système de channel qui est créé. Donc, ces systèmes de channel, de canaux en français, sont définis au niveau de la RFC 4254. Et cette RFC, a priori, définit les choses qui vont bien, etc. Et on a tout un système de sous-systèmes. Alors, channel, je ne sais plus si où qu'on trouve ça. Voilà, channel mécanisme. Donc, à chaque fois qu'on se connecte, le client SSH
va créer potentiellement un chan, sachant que le serveur peut aussi le faire. Quand le chan est donné, il va être attribué une session. Et cette session va avoir différents modes de fonctionnement, session interactive, etc. Quand vous utilisez ces sages pour vous connecter à un shell, vous allez avoir accès à une session interactive. Et cette session interactive va vous donner accès après à différents mécanismes. Donc typiquement le shell. Si vous voulez utiliser autre chose, par exemple pas forcément un shell, mais SFTP, en fait SFTP va être un sous-système qui va donner accès à un programme qui fonctionne sur les mécanismes qui ont été offerts par SSH. Ces mécanismes-là vont par exemple permettre d'avoir accès au système de fichiers et de récupérer, d'envoyer des fichiers à un certain données, enfin à un certain endroit dans un certain répertoire. Typiquement, ça fonctionne comme ça. C'est aussi simple que ça. Et le but des SSH, c'est que la connexion est multiplexée. Donc la connexion multiplexée, ça veut dire que la connexion de base entre le client et le serveur va rester disponible. Et si vous voulez utiliser d'autres services sur la même connexion, vous pouvez. Car en fait, vous avez quasiment un nombre, je vais pas dire illimité, parce que je sais plus, je crois que c'est codé sur 32 bits. Ouais, je crois que c'est ça, je crois que c'est 32 bits. Donc en gros, vous avez 2 puissance 32 channels possibles en cours de création. Donc autant dire que 2 puissance 32, ça fait beaucoup de channels différents sur la même connexion. Mais ça permet de mutualiser la connexion. Et c'est vraiment vraiment pratique. Si vous faites du port forwarding, c'est la même chose. Et là, ce que je viens de faire, c'est ça. Donc je me suis connecté directement avec un sous-système qui s'appelle test. Et à partir de là, je vois directement les messages que j'envoie dès que j'en envoie un. Donc si je mets Toto, ça va afficher Toto, etc. Et à partir de ça, je vais pouvoir en fait gérer directement ma connexion. On voit qu'ici, on a le. Normalement, cette valeur-là, c'est le numéro de channel. Ça, c'est le numéro du process qui est dédié, enfin du channel. Et ça, c'est le processus actif du serveur qui reçoit les connexions. Donc, rien qu'au niveau de ça, ce qu'on peut faire déjà, on peut s'amuser à faire juste un pattern matching pour voir les réactions et pour répondre à quelque chose. Donc, on a le handle SSH message. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer simplement le message. Donc ça, dans un premier temps, on s'en fout un peu. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les données. Donc, au pire des cas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut diviser ça comme ça. SSH CM. Donc là, on va avoir, je crois que c'est serveur PID. Ensuite, on va avoir data. Cette valeur-là, je ne sais plus à quoi elle sert. Le channel. Et le message qu'on va recevoir. Dans notre cas, par exemple, on va faire ping et on va répondre pong. Et ensuite, on a notre état. Non, il y a un truc que. Hop, c'est comme ça. Voilà. Et là, on va avoir notre état, state, qui va être retourné. Ok, state. Et ce qu'on fait, c'est SSH message. Send. Si on va voir au niveau de la doc, on a un truc qui s'appelle SSH underscore connection, pas message. Et on a send 3. Et on a la connexion ref, channel ID et data. Donc connection ref. Normalement, la connection ref, ça doit être ici. On va l'appeler connection ref. Channel ID. Connection ref, channel ID, et on va renvoyer pong. On recompile tout ça. Ping, pong. Donc là, on a bien notre application qui répond directement sur un canal dédié. Pour récupérer les informations. Si vous avez vu tout à l'heure, il y a un truc aussi qui s'est passé, c'est que dès qu'on se connecte, on a accès à un shell. Et on n'a pas forcément envie d'avoir accès à un shell. C'est un peu chiant si on met un truc en production utilisant le protocole SSH, on n'a pas envie d'avoir accès à ce genre d'informations. Donc pour ce faire, on va désactiver directement ces options-là.
Donc, on a une liste d'options à désactiver. Je ne sais plus où elle est. Ça avait... s'appelait, je crois. Voilà, donc là, on a Shell, avec Shell Spec. Donc, on va démarrer notre démon, on va pouvoir désactiver les différentes features qui sont présentes. Et par exemple, autoriser seulement le sous-shell. Donc là, on va mettre Disabled. Pareil, après, on a le exec common. On ne veut pas que ce soit accessible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver les fonctions d'exécution de commande. Et ensuite, on va avoir, je sais plus, je crois que c'est SSH clean. On va désactiver. Dans un premier temps. Donc on va recompiler. On va redémarrer. On va essayer de se reconnecter. Donc là, on n'est plus autorisé à se connecter. Par contre, si on utilise test, on a bien notre fonctionnalité qui est présente sur un chan dédié. Alors non, vous allez me dire, ouais, c'est cool. Mais comment on fait pour justement créer un shell? Et là, on va utiliser l'autre fonction qu'on a vue. Alors, ah oui, si, très juste. Il y a un autre truc très intéressant. Si on passe sur cette version-là, c'est avec le T, je crois, pour avoir un PTY. Ouais, donc en gros, par défaut, les sous-systèmes, ils sont pas de. On ne peut pas allouer un PTY, donc c'était juste pour tester. Mais si on avait créé un shell, en fait, on aurait vu directement un comportement totalement différent et avec un système de buffer qui, enfin, un système de stream d'information, etc. Des chiffres, je vous montre ça après. Donc là, on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le client key API maintenant. Non, désolé. SSH client channel. Donc le SSH client channel. Alors pour l'instant, il n'y a aucune feature. Hein. C'est vraiment du test. C'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est le shell qui va être ici. Et normalement, c'est module, fonction, argument, dans mes souvenirs. Je me trompe peut-être, mais dans mes souvenirs, c'est ça. Module, fun, argument. Ou une fonction qu'on va créer. Donc le module fun argument ici. Il va faire appel dans mes souvenirs au module de callback qu'on a vu avant. Donc là, typiquement, ça va être shell start. Mais nous, si on l'utilise, ça va être typiquement où t'es, ici. Donc ça va être en gros start cat arguments. Il va prendre la connexion channel ID. Alors, le channel CB, c'est quoi ça déjà? Name of the module implementing the service specific part of the channel. Argument list for the init. Ok, donc ça, c'est les arguments du init. Et celui-là, ça va être le module qui va être en charge de gérer ça. Donc, typiquement, ça va être le SSH client channel, enfin, le S underscore client channel. S underscore client channel. Non, désolé. SSH. On va y arriver. Client channel start. Alors, les arguments, ça va être la connexion SSH. Non, quoi, je suis en train de me tromper. Je suis en train de me planter. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi il y a deux init ici? Je vais vous montrer ça d'une autre façon. C'était pas le shell, ça devait être cli que je voulais appeler. SSH cli. Parce que le shell, j'ai pas encore trop travaillé sur cette partie-là. Où c'est?
Ouais, c'est plutôt celui-là. Mod Arcs, c'est celui-là que je voulais parler. Donc celui-là, on peut très bien réutiliser normalement le subsystème qui va s'appeler S Server Channel. Et celui-là, on va le désactiver par défaut. On va recompiler et redémarrer. Là normalement, ah, là ça devient intéressant. Donc là, on a notre système avec un Pty parce que c'est considéré comme un shell. D'ailleurs, c'est assez marrant que ce soit considéré comme un shell. Qu'il ait récupéré le Pty alors que j'utilise le subsystème test. Ça c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait qui déconne? Init disabled. Ça c'est marrant. Relisons la doc. C'est tout nos clients. Subsystem channel là. Ah ouais. Ok. Donc ça veut dire que si je me connecte avec ça. Ça c'est bon. Ok, donc là on a bien notre flux de données. Alors ce qu'on va faire dans ce cas-là, on va juste créer un petit buffer quelque part. On va le mettre. On va faire, c'est qu'on va faire ça, on va mettre buffer. Hop, par défaut on va le mettre comme ça. Hop, et le buffer qui est ici. Donc là on a. Ça va être seulement. Alors il faut un autre truc aussi, Pty ou Tty. Par défaut, ça va être faux. Et en fait, il va acti être activé seulement s'il reçoit ce message. Pty 0, true, screen, blablabla. Ça là, ça va être le message qui va venir configurer l'état et remettre à jour cet état au niveau de la connexion pour dire ok, maintenant tu es en Pty, c'est un buffer qu'il va falloir que tu utilises. Donc on a toujours connection ref et là on va avoir Pty 0, oops, true, on peut même jarter ça, true, et normalement tout le reste en fait on s'en fout, hop, on récupère l'état qu'on va modifier après, donc là on va faire ok state et on va modifier, on va mettre pty égale true. Alors je crois que j'ai fait une bêtise. Non, si. Suis tellement habitué à utiliser les records que j'oublie de faire ça. Ok. Donc là c'est-à-dire qu'on est à true. Ça veut dire qu'il faut qu'on modifie aussi un truc ici. C'est que maintenant ça va être pty égale false. Ça commence à devenir un peu illisible mon code. Je vais séparer ça sur une autre ligne. Hop. Et là, ça va être. Alors pour l'instant, l'état il va être à false, ce qui me semble logique. On sent que c'est vendredi, hein. J'ai du mal à coder. C'est un truc de ouf. Ok. Et donc maintenant, il va falloir en fait un système pour gérer les buffers de SSH MSG. Donc là, on va avoir SSH CM.
connection ref. Alors je vais peut-être le mettre ici plutôt. Après le data. On va avoir data. Ici on s'en fout. Channel ID. Normalement on va avoir en fait un message qui va être mis dans le buffer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le buffer présent. Donc ça, c'est seulement si pty égale true. On va récupérer le buffer qui va s'appeler buffer. Et on récupère l'état. À partir de là, ce qu'on fait, c'est qu'on va justement concaténer les buffers ensemble, retourner l'état ensuite. Donc on va l'appeler new state. Qui va prendre state, enfin l'état de base, et on va modifier le buffer qui va devenir maintenant peut-être mettre plutôt data string up et on va retourner ok state. À partir de là, ce qu'on veut, c'est qu'on a une donnée particulière, le retour à la ligne, qui va afficher en fait le contenu du buffer et le reset. Donc là, on revient à ça. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut directement envoyer au client, en mode echo par exemple. Le fait qu'en gros on a bien reçu des données. Donc, par exemple, on peut envoyer le buffer. Et là, je pense qu'on est pas mal. Pas sûr que ça va compiler du premier coup. A priori, ça compile. Ça... Hop. Donc la connexion, là pour l'instant, elle est initialisée avec l'ancien code. Il n'y a pas eu de mise à jour du code ni rien. Il va falloir que je me déconnecte. Hop. Je vais me reconnecter dessus. Donc je récupère bien ce qu'il y a dans le buffer. Alors c'est pas très propre parce que on va mettre juste un carriage retourne. Par exemple. Hop. Voir ce que ça va donner. Donc ça, typiquement, je reçois encore des messages normalement. Si je fais... Ouais, non, je reçois plus les messages parce que je suis passé en pty, forcément. Donc là, en fait, tout arrive ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter juste un petit log ici. Hop, data. Donc là, on reçoit bien le buffer. Quand je fais ça, ah, j'ai un problème. Parce que... Parce que forcément, si j'indique pas que c'est un bitstring, je vais avoir un problème. Ok, donc là, j'ai bien mon carriage retour, il n'y a pas de souci. Et tous les messages que j'envoie, typiquement, là, on envoie un code CTRL-C. Donc ça veut dire qu'en gros quand on a un CTRL-C par exemple on veut couper simplement la connexion ou un CTRL-D pour dire oups désolé CTRL-D pour dire en fait fin de l'échange. Donc en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter ça ici et on va couper manuellement la connexion SSH. peut-être pas au bon endroit, ce que je voulais faire ce serait plutôt le mettre après ça. Enfin, avant ça, on va l'appeler data. On va faire un when. Ok. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va forcément reset le buffer. Mais on va aussi terminer la connexion, dire au client explicitement, je ne veux plus de ta connexion.
là, je reset ça comme ça. SSH connection. Normalement, c'est EOF. Quelque chose. SSH connection. Send EOF ici. Connection self. Connection et channel ID. Connection ref. Channel ID. Et là, normalement, on est pas mal. Donc là, je recompile. Forcément, j'ai toujours l'ancien code qui n'est pas chargé. Pour l'instant, c'est normal. Donc là, je reçois bien mes messages. Par contre, ça ne restait pas affiché. Ok. Donc, je vais juste killer la connexion. Je me reconnecte. Ah non, ça marche pas. Ok, c'est close. Donc ça, on fait fin de ça. Close. Connection ref. Channel ID. Je recompile. Ça c'est bon. Ma connexion est terminée. Connection closed. Donc voilà. Donc là, il y a les deux modes de fonctionnement avec Pty, sans Pty. Ça veut dire qu'aussi on peut créer un shell de différentes méthodes avec différentes méthodologies. On peut soit définir que l'écran va être modifié, etc. en fonction de la dimension. Ce que je ne sais pas si vous voyez au niveau des premiers échanges qu'on a eus. Oh, je ne sais plus où ils sont. Bon, je vous montrerai ça peut-être après. Mais en tout cas, voilà, on a une petite idée de ce qui se passe. Alors forcément, c'est ultra primitif hein, comme méthode pour jouer avec ça. Mais la méthodologie est à peu près similaire pour les autres types de connexions. Donc on a pas mal d'autres choses, hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien aussi ouvrir des channels, on peut très bien configurer des environnements de variables. Alors ça, je ne sais plus à quoi ça sert. Ouais, donc en gros c'est pour exécuter encore sur la connexion qui mutualisait quelque chose d'autre. On a tout ce qui est système d'allocation de Pty, donc pour les configurer avec la taille des écrans, etc. et tout. Donc il y a pas mal de choses au niveau de la connexion. J'aurais bien voulu faire un petit SFTP pour vous montrer un peu comment que ça marche. Mais quand j'ai regardé les specs des SFTP, du moins en gros ce qui était nécessaire, c'était comment dire, pas forcément des plus simples. Donc je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. J'avoue que j'étais un peu claqué. Ah, j'ai pas vu les gens du chat. Hello les gens. Je sais même pas si. Attendez 2 petites secondes. Hop, je vous avais pas vu. Donc bref, en tout cas on a fait le tour. Tout ça va être résumé sur le prochain article que je vais sortir sur SSH. Je pense que là, vous avez vu à peu près l'utilité et comment ça fonctionne. Le code que j'ai fait, je pense qu'il sera disponible après, peut-être un peu plus cleané. Je pense que j'ai vraiment fait le tour. Je sais pas ce qu'on pourrait faire d'ailleurs, d'autres de plus. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire, il faudrait gérer les clés, etc. Mais je pense pas qu'en 30 minutes, même en 1 heure, j'aurai le temps de tout faire. Là, déjà, ça vous montre une petite idée de comment on peut le mettre en place pour des projets. Et si vous voulez un protocole relativement safe et sécur, et surtout utilisé par des milliers, voire des millions de personnes depuis pas mal de temps, ça permet en fait de potentiellement éviter d'avoir toute la complexité de SSL et TLS. Et surtout, on peut très bien imaginer après utiliser ce protocole-là pour faire par exemple un chat ou un truc dans le genre. Avec des protocoles qui sont déjà existants, avec un client comme SSH qui existe déjà. Donc il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Il y a des trucs cool à faire. Et ça reste une bonne implémentation, même si malheureusement, toute la partie en fait encodage, enfin tout ce qui est encodage de fichiers, décodage, etc. Je m'attendais pas à ça en fait. Quand j'ai vu le code source, j'étais un peu déçu. Il y a deux, trois trucs en fait qui sont pas supportés. Comme je dis, si j'ai le temps, ce qui m'étonnerait, mais si j'ai un peu de temps de libre, il y a de fortes chances que je vais faire un fork de ça, essayer de cleaner un peu tout ça, et essayer de voir si on peut pas améliorer les choses, et histoire de rajouter une petite pierre à l'édifice, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Je pense qu'on est pas mal, hein.
Je pense qu'on est vraiment pas mal. Donc pour information liée aux articles, il y a le prochain article qui est sur l'introduction à la cryptographie avec Erlang. Je crois qu'il va être publié le mois prochain dans Linux Mag, donc en juin. Les deux autres ont été validés, mais il n'y a pas de date de publication. Le SSH est en cours d'écriture, j'en suis déjà à 6 ou 7 pages à peu près d'écriture et il n'y a pas de code encore, donc je pense qu'il va falloir que je nettoie pas beaucoup de choses. J'ai juste quelques petites problématiques au niveau de justement avec toutes les données qui est affichées, etc. Ouais, bon, faut que je vois comment m'organiser tout ça, mais en tout cas je pense qu'il y a de fortes chances que ça arrive aussi d'ici une semaine ou deux, peut-être trois max, on va dire grand max un mois. Donc ce sera pareil, publié sur Linux Mag. Et après, ça va devenir beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'en fait, on va parler HTTP, des choses qui parlent plus aux gens, donc comment configurer Cowboy, etc. Et à partir de juin, je pense que je vais faire un break. On va dire qu'en gros, d'ici 2 semaines, 3 semaines, je vais faire une petite pause au niveau des sessions. Parce que j'ai d'autres projets sur quoi travailler. J'ai la rentrée à préparer en septembre, parce qu'il y a beaucoup de choses de prévues. Enfin, si je vais vous spoiler un petit peu tout ça, mais déjà, j'aimerais bien refaire des pair programming avec d'autres personnes. Donc là, j'ai commencé une sorte de grosse campagne pour me connecter avec plein de personnes en France et ailleurs pour savoir s'ils seraient d'accord pour faire en fait des sessions de pair programming. J'ai toute une partie en fait pour ajouter du stream, c'est tout ce qui est streaming, live, etc. sur différents channels. J'ai l'amélioration des channels et tout à faire aussi, enfin des channels, l'amélioration des comment ça s'appelle? Je perds les mots, c'est vendredi, je suis fatigué. Comment ça s'appelle? Les intros, les outros, en fait. J'aimerais bien rajouter ce que là actuellement c'est un peu dégueulasse ce que je fais, mais j'ai pas le temps, je suis tout seul à gérer tout ça et c'est le cadet de mes soucis de gérer tout ça proprement, mais l'idée ce serait de faire une intro et une outro au niveau des trucs. Pareil au niveau du design, travailler aussi sur le website, sur le site web. Et après j'ai deux autres projets, donc projet de formation que j'avais commencé depuis un bout de temps, que je vais redémarrer, et un autre projet un peu secret, entre guillemets, qui va démarrer aussi en parallèle à partir du mois de juin et jusqu'au mois de septembre à peu près. Donc ça va être deux trucs qui vont prendre beaucoup de temps, ne serait-ce que les formations, parce que j'ai envie d'offrir une formation sur OTP et sur globalement en fait Erlang en général. Et ça a été retardé, parce que j'avais commencé à le faire en 2020. Et j'ai eu une grosse pause à cause de tout ce qui s'est passé entre 2020 et 2023. Et j'ai envie de relancer ça. Donc tous les articles que vous voyez publiés un peu à gauche à droite, ça me permet en fait d'avoir une idée déjà de mes compétences et comment je peux écrire les choses. Et les retours des personnes qui sont faits par les lecteurs m'indiquent en fait ce que je dois faire justement au niveau de la formation. Donc voilà, si j'ai le temps par contre effectivement, alors, il n'y aura rien de planifié, ce sera si j'ai envie. De juin à septembre à peu près jusqu'à début septembre, je ferai des streams sur NoSTR en particulier. Donc quand je veux, il n'y aura pas de date. Ce sera vraiment planifié à l'arrache. Et on continuera l'implémentation de NoSTR avec tout ce qui est partie architecture, etc. Pareil, potentiellement sur mon temps libre, je le ferai avancer, ne serait-ce que la documentation. Donc il risque d'y avoir quelques petites modifications au niveau de tout ça. Mais ce sera vraiment du bonus. Et je pense que tout le reste, en fait, on reprendra au niveau de la saison de septembre. Et en septembre, il y a beaucoup de choses, comme je vous ai dit, de prévues et les choses que j'ai listées. Il y aura d'autres choses, hein. Là, c'est que un tout petit bout de ce que je compte faire pour justement la session de septembre, enfin les sessions à partir de septembre. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon week-end. Il est 17h16. Je pense qu'on a codé pendant à peu près 1 heure, un peu plus d'une heure. Honnêtement, j'ai fait le tour des SSH. Je pense que c'est vraiment un protocole qui est super simple à utiliser, même à coder au sein d'Erlang. Il manque pas mal de petites choses. Mais honnêtement, amusez-vous avec. Il y a de quoi faire des super trucs assez marrants. Le projet de cache que je compte faire, que je voulais faire au début, c'était implémenter SFTP et utiliser en fait SFTP comme un lecteur de clés valeurs. En gros, quand on fait un LS, ça affiche toutes les clés. Et quand on fait un get, le nom de la key, en fait, ça télécharge directement le contenu de la clé. Donc ça aurait pu être cool de faire ça.
Mais le temps d'implémentation est un peu trop long. Même là, pour une session comme ça, je pense qu'il me faut au moins 2 ou 3 jours pour le faire. Enfin, 2 ou 3 jours. Pas à temps plein. Je pense qu'à temps plein, peut-être une demi-journée. Mais comme je travaille sur d'autres trucs, c'est pas forcément des plus faciles. Si j'ai l'occasion, je partagerai tout ça. Sur ces belles paroles, je vous souhaite encore une fois un très bon week-end. Et on se retrouve probablement soit ce week-end si j'ai un peu d'énergie pour un petit live totalement non prévu. Sinon, ce sera mardi pour les shortcuts et vendredi pour le prochain open bar. Allez, ciao ciao, gars. Ciao ciao. Ah, salut à tous. Ouais, il va falloir que je dorme un peu. Ciao.